Alors, je suis en compagnie d'Annick Lauzon, directrice marketing chez Moteur Taiga. Bonjour Annick. Bonjour Jeannie. On vient d'essayer la moto marine Orca Carbone de Taiga. Est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Qu'est-ce que c'est cette moto marine-là? Avec plaisir. Donc, la Orca Carbone, c'est la première moto marine 100% électrique construite de série au monde. Elle offre tous les avantages des véhicules électriques, c'est-à-dire sans bruit, sans émissions, sans gaz, sans huile, pratiquement sans entretien et pour nous au Québec, sans hivernisation. Super! Puis qu'est-ce que c'est son autonomie? On parle d'une autonomie de 45 km jusqu'à 45 km. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos clients en moyenne partent pour des randonnées environ 90 minutes jusqu'à 2 heures. Ça va dépendre de votre mode de conduite, du niveau de pression au niveau de l'accélérateur, puis des conditions de l'eau. D'accord. Puis pour le temps de recharge, je crois qu'il existe différents types. Comment ça fonctionne? Exactement. Alors, on a trois options pour la recharge. On a la recharge de niveau 1, qui est une prise 110 volts ordinaire que tout le monde connaît, comme on a dans la maison. Ça, c'est une recharge qui prend jusqu'à 12 heures. Donc, on la branche pour la nuit, on revient le lendemain matin, on est prêt à partir. L'idéal, c'est une prise de niveau 2, donc le J1772, qui est la même prise, le même pistolet, dans le fond, qui est utilisé pour les automobiles. Donc, un client qui a déjà une voiture électrique pourrait facilement utiliser la même borne de recharge pour charger sa moto marine. Et là, on parle d'une recharge de 3 à 4 heures. La troisième option, la plus spectaculaire, c'est le DC Supercharge, donc la recharge ultra rapide. Et là, on parle d'une recharge à 80 % en 30 minutes. Donc ça, on est en train de le tester en ce moment. Et quand ça va être prêt, qu'on va être satisfait de la stabilité puis de la performance, c'est quelque chose qu'on va pouvoir pousser à tous nos consommateurs sous forme d'update software. D'accord. Puis c'est quoi les modes de conduite de la moto marine? Oui. Alors, la motomarine Orca offre trois modes de conduite. Le mode Range, qui est un peu comme le mode Eco. Donc, c'est un mode qui va venir limiter la puissance du moteur et maximiser l'autonomie. C'est le mode de conduite qu'on recommande quand on commence pour se familiariser avec la réponse du véhicule. Ensuite, on a le mode Sport, qui vous donne accès aux 120 kW de puissance, donc le 160 chevaux vapeur du véhicule. Mais en gardant là, un bon équilibre là, au niveau de l'accélération. Puis, on a le mode Wild qui, là, vous donne un accès instantané aux 160 chevaux vapeur. D'accord. Puis, si on désire partir une heure ou deux ou même plus, est-ce qu'il y a des compartiments de rangement? Oui, effectivement, il y a un compartiment de rangement à l'avant, donc juste assez grand pour une serviette, un petit sac pour la journée, votre bouteille d'eau, puis une journée comme aujourd'hui, votre crème solaire. Puis, à qui ça s'adresse, cette moto marine? Oui, en ce moment, on a des clients, bon, beaucoup de clients qui sont des amateurs de moto marine, mais qui cherchaient une option peut-être plus sensible, durable pour l'environnement. Des gens de bateau qui peut-être préféraient une option silencieuse, sans entretien. On a des clients qui ont des super yachts. Donc, c'est pratique pour eux d'apporter les motomarines sur le bateau, les brancher, puis mettre à l'eau. Donc, pas besoin de transporter d'essence supplémentaire, des huiles, etc. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci, Joannie. Alors, c'était Joannie Hodgeant pour Québec Yachting. Donc, c'était la première fois que j'essayais une motomarine Taiga. J'espère que c'est pas la dernière.